Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique bricoleur. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique, faut pas s'en faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Les poupées pingouins. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Oui. Pas de problème. Votre destination est l'île des poupées pingouins. Des pingouins. Comme ils sont mignons. Les poupées pingouins ont besoin de votre aide pour construire un plus grand igloo. J'ai une question. Pourquoi ont-elles besoin d'un plus grand igloo? Je vous laisse le découvrir. Vous allez avoir une belle surprise. Comme si chouette. Moi, j'adore les surprises. Votre mission est de construire un nouvel igloo pour les poupées pingouins. Mécanie, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. On est parti. Nous sommes arrivés sur l'île des poupées pingouins. Oh, regardez! Des poupées pingouins! Fascinant comme créature, mais je ne vois pas pourquoi elles veulent un plus grand igloo. Celui qu'elles ont me paraît suffisamment spacieux. C'est étrange. Komodo! Je voulais simplement te dire, je ne vois pas pourquoi elles ont besoin d'un plus grand igloo. Je te remercie. La petite chouette de l'île nous a dit que nous allions avoir une belle surprise. Je me demande ce que c'est. Des bébés pingouins. C'était ça la surprise. C'est pour ça qu'il leur faut un plus grand igloo. Elles n'ont pas assez de place pour les bébés. Oh, ils sont tellement mignons. Au travail, construisons cet igloo. Et c'est parti. C'est fait de quoi un igloo? Je sais, c'est fait de blocs de glace. Donc, on n'a qu'à trouver des blocs de glace. Je ne vois aucun bloc de glace. Non, moi non plus. Par contre, il y a ces grandes montagnes de glace là-bas. Super, mécanimo, allons voir ça en vrai. Jolie glace. Dommage que ce ne soit pas de jolis blocs de glace. On pourrait peut-être la casser et faire des blocs. Tu as raison. Un ou deux coups de poing et ce sera fait. Je ne pense pas que des coups de poing soient suffisants. C'est parti! Les pauvres orteils! Je t'avais dit que les coups de poing ne seraient pas suffisants. D'après moi, pour briser cette glace, il nous faudrait un genre d'outil très tranchant. Et ensuite, on la découpera. Je suis le meilleur pour faire ce travail. Comme toi. Pas ça non plus. Oups. Et qu'est-ce que ça fait là, ça?
attention, place à l'incroyable mécanicie de Komodo. Et voilà. Komodo est le roi des bricoleurs. Aria! Oui. Des blocs de glace. Bravo. Je vais assembler les blocs et on va construire l'igloo. Je n'y arrive pas. Ces blocs sont beaucoup trop lourds. Tu as raison, ils sont trop lourds. On n'y arrivera pas, c'est impossible. Rien n'est impossible pour les super mécanimaux. Rex Mécanique Costo. Regardez Rex construire des choses. Il ne manque plus qu'un bloc. Je n'y arrive pas. Ce bloc est trop gros pour le trou. Sasquatch va se mettre au travail. C'est le moment d'utiliser mes points. Non, pas les points. C'est une très mauvaise idée. Et voilà, ce n'était pas difficile. Ça alors, finalement, ça a marché. Évidemment. Écoutez bien, vous n'entendez pas comme un... C'est la glace qui craque. C'est certainement à cause de tous ces coups. Les coups de poing, c'était une très mauvaise idée. Les bébés pingouins vont tomber dans la crevasse. Nous devons les secourir. On ne peut pas les atteindre et la crevasse est de plus en plus grande. Les super mécanimaux n'abandonnent jamais. Mais on ne peut pas empêcher la glace de se fondre. Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. Place à la licorne. Mégani volante. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se servir de sa corne magique. J'adore la regarder faire ça. Incroyable! Elle referme la crevasse. Oui! Elle a réussi! Les bébés pingouins sont sauvés! On a sauvé les bébés et on a construit un igloo! Super, Mécanimo! Mission accomplie! Pourquoi les pingouins ne vont-ils pas dans leur nouvel igloo? C'est étrange. Moi aussi, je me le demande. Komodo!
aussi, je me le demande. Ça y est, j'ai compris. Il y a plus de bébés pingouins. Et ce n'est pas terminé. On dirait qu'on va devoir construire un autre igloo. Mécani, en sommes-nous capables? Nous, les super Mécanimaux, on peut tout faire.